Voici donc Fix, un jeune radar fraîchement engagé par le gouvernement. C'est à 7h que notre équipe l'a rencontré porte de Clignancourt et l'a suivi tout au long de sa journée. Ah, c'est vous, ça va? Vous avez pas eu trop de mal pour trouver? Ben voilà, vous êtes là, hein, sur mon lieu de travail, hein, 7 jours sur 7, 22 heures sur 24, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Je suis là, je flash à toute heure. Salut! Salut Daniel! Ouais, attention, c'est très dangereux les enfants! J'ai vu une annonce du gouvernement qui proposait 5000 emplois dans toute la France. C'est quoi cette pièce? Bon, le texte me paraissait plutôt sympa, hein. Emploi stable, salaire attractif. Vous irez au contact des gens, qui disaient. Putain, t'es bonne, toi. Des fois, on tombe aussi sur les canons, c'est... Bon, bah, j'ai tenté ma chance, hein. J'ai passé l'entretien de la DDE et puis j'ai tout de suite été pris. Ma première mutation, ils se sont gourés. Alors, je sais pas, ils m'ont mis à un endroit... J'avais rien à faire là, je crois. Monsieur, ne courez pas! Monsieur, vous êtes en excès de vitesse! Non, monsieur, revenez! T'as de la chance que je sois Fix! Et puis après, je suis directement passé à la 1. Alors là, la 1, l'autoroute du Nord, le vent, la pluie, les tempêtes. Je vous raconte pas, j'ai frôlé la dépression. Après de nombreux flashs et quelques contraventions, les collègues prennent la relève. C'est l'heure du déjeuner pour Fix qui a les crocs. Il nous emmène Dixit dans un bon rad. Salut! Salut tout le monde! Ça va, Dédé? La forme? Oh bah attends, tu me sers plus la main? Non. Plus l'excès de vitesse, hein? Oui. T'as la mémoire courte, toi, hein? Bah, mais tout a changé, ils sont où les plateaux? Bon, et les gars, je rattaque dans une heure, donc speed là. Bon, et GG, tu me mets comme d'habitude, hein? Frites, steak, parfait. Bon, mais salut les gars, hein? Bonne route. Oh, c'était cool, hein, cette petite bouffe. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On rentre sur Paris là? Moi, je travaille dans une demi-heure. Bon, vraiment sympa, merci les gars de m'avoir ramené. Donc j'aurais pu rentrer en stop, mais généralement les gens ralentissent, mais ils s'arrêtent jamais. Et vous savez quoi? On va faire une photo souvenir. Vous faites le tour, je passe de l'autre côté. Allez, c'est parti. Ok. Et merci, hein. Et alors que notre reportage touche à sa fin, l'impensable se produit. Putain, il est en train de se faire défoncer, là. Fix se fait agresser devant notre caméra par le gang anti-radar dont personne n'avait jusqu'alors filmé les agissements. Vas-y, viens mec, trace. Suite à cet incident, Fix a été muté et travaillerait désormais sur une petite départementale du Cantal.